Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de participer à l'élimination de Gunnar. Alors pour participer à son élimination, c'est très simple, vous allez devoir vous rendre à Cover Cavern, donc juste ici sur le gameplay. Ensuite, quand vous êtes rendu à cet emplacement, il y a un personnage qui s'appelle Gunnar. Donc le personnage en question, c'est un garde de l'IO qui n'a pas de casque. Donc il a sa tête à découvert, donc vous allez voir, c'est celui-ci. Donc regardez, hop, je vais vous le sniper. Donc c'est celui-ci et regardez, il est en train de manger justement. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le tuer. Mais il faut juste participer. Donc si vous êtes plusieurs à essayer de le tuer et que quelqu'un d'autre le tue à votre place, je pense que ça fonctionnera quand même pour le défi. Parce qu'il est marqué « Participer à l'élimination de Gunnar ». Donc je pense que si vous restez en vie, si vous lui infligez un de dégâts et que vous restez en vie et que vous l'éliminez, et que c'est quelqu'un d'autre qui l'élimine à votre place, je pense que ça validera le défi. Bien entendu, si vous pouvez l'éliminer, bah, c'est bien aussi. Comme ça, bah, vous êtes sûr de réaliser le défi. Et en plus de ça, ça va vous donner un pistolet mitrailleur Stinger de Gunnar. Donc c'est une arme mythique. Et ça va vous donner une carte de coffre de cover qui va vous indiquer, donc quand vous êtes... Quand vous vous équipez de cette carte, ça vous indique qu'il y a un coffre à 80 mètres. Donc, vous suivez les petits pointillés qui sont indiqués. Et là, ben, vous allez pouvoir aller ouvrir un coffre qui va vous permettre ben, de vous loot encore plus. Donc voilà, quand vous aurez éliminé Gunnar, ben, là, vous débloquerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.